dopo due giorni a bere questi pinot nero. Dopodomani in Italia è... Porca delizia. In Italia non li trovi, cioè. No, li trovi i pinot nero. Questi, cioè, francese. Devi comprarli. Non so se vuoi Roma dei Village. Buono, sì. Voilà, donc c'est une entreprise familiale. Il n'y a pas de... Donc toutes les vignes sont arrivées par mes parents et par du côté de mon épouse. Et moi, le maximum, ce que j'essaye de rechercher, même sur un grand cru, c'est toujours le fruit et le côté frais du vin. Voilà. Pas de macération extrêmement longue au niveau de la cuve. Voilà, quelque chose de très fin, retrouver la typicité de l'appellation. Moi, ce que je recherche surtout, c'est le côté très tendre. C'est-à-dire, j'ai des appellations comme Échezeau, Vosne Romanée, tout ça, c'est très féminin. Ce sont des vins qui sont tout en douceur et presque, on pourrait dire que c'est pas de la dentelle, mais on se rapproche un petit peu. C'est pas un vin massif comme un Clos Vougeot ou comme un grand, comme tous les Chambertins, les Gevrais, tout ça, où ce sont des vins beaucoup plus lourds, même ici à Nuits-Saint-Georges, ce sont des vins qui sont assez, costauds, quoi, on va dire, avec un jargon comme ça, voilà. Mais le principal, c'est d'avoir toujours cette finesse et en finale, quoi, voilà. Voilà, donc je ne suis pas en biodynamie, hein, je ne fais pas du vin bio, mais je fais de la lutte raisonnée, c'est-à-dire que nous travaillons avec un organisme qui eux ont des vignes témoins et qui nous disent à tel moment vous devez faire un traitement, mais ce n'est jamais exagéré, c'est-à-dire qu'on le travaille toujours en fonction du potentiel de la maladie, c'est-à-dire qu'on fait du préventif uniquement, et voilà, mais il n'y a pas de... Autrement au niveau de la vinification, macération à froid, aucune levure ajoutée, hein, puisque ce sont des vins après qui démarrent tout doucement, qui travaillent tout seuls, et voilà. Très artisanal, pas de filtration au niveau de la mise en bouteille, pas de manipulation excessive au niveau des soutirages, des passages à l'air et tout ça. Voilà. Et pas systématiquement utiliser le fût neuf, hein, des fûts d'un vin, deux vins sont suffisants pour avoir une qualité optimale. Voilà.